puissance. Le témoignage que je vais rendre, c'est le témoignage de ma grande sœur. Jusque-là, elle n'a pas encore répondu, mais quand Dieu fait pour vous, il faut rendre le témoignage pour sa gloire. Amen. Peut-être que Papa Florian a perdu un peu l'image. C'est dans le mois de mars que nous avons connu le Dieu de Papa Florian. La femme qui nous a amenés ici, si elle est dans la salle, qu'elle se lève pour que je la voie. Je la bénis beaucoup. Madame, je te remercie, j'ai béni ton nom. Amen. J'ai béni ton nom. A eu une maladie pratiquement incurable, plein aux pieds. Il faut la filmer. Voici ce qui t'a envoyé. Les grandes églises du Ghana, elle a tout fait. Pas de solution. Fatigué, il était question qu'on ampute son pied au Ghana. On avait les informations. Et le docteur Gagné a dit, je ne peux rien. Ce ventre, si je le perds, elle va mourir. Et donc, je veux m'en débarrasser et on l'a amené au village, en Guimée. Donc, Tiapoum, sous-préfecture, et ma soeur est arrivée. Quand elle est arrivée, on nous a annoncé. Et donc, il était question de fabriquer son cercueil parce que, sincèrement, il n'avait pas de vie. Parce qu'elle pourrissait son nombril était pourri, son pied était pourri. Elle-même, elle ne vivait pas parce qu'elle est couchée pendant 3 mois. Même position. Elle déféquait, c'est ses filles qui s'en occupaient d'elle. Je voudrais qu'elle soit là, mais elle va venir. Mais quelqu'un lui avait parlé de Dieu de Papa Florian de son lait. Mais ma soeur chantait. Il y a un Dieu de quelqu'un. On appelle le monsieur Papa Florian. On dit dans lait. Je veux boire ce lait-là. Elle avait cette conviction. Mais nous, on ne savait pas. Et donc, subitement, j'ai un de mon oncle qui atterrit à Abidjan, ici, chez moi à la maison. Il me dit, bon, ben, préparez-vous, cotisez, parce que actuellement ils sont en train de faire le cercueil. Bon, d'ici 2 jours, parce qu'on va l'enterrer. Papa Florian, le cercueil est resté. Le cercueil est resté. Incroyable, mais vrai. Je vous dis que c'est une vérité. Même si ce n'est pas encore arrivé, soyons patients. Dès que mon oncle a mis son pied chez moi à la maison, le même jour, il est arrivé la nuit. Mon grand frère est tombé, il est en train de mourir. Le lendemain matin, moi, je vais au travail en tant que responsable. Le directeur des ressources humaines m'appelle, il dit, tiens, papier, je t'ai renvoyé. Et ma grande soeur a atterri à Abidjan. Dans quel état? C'est ici, chez Dieu de Papa Florian, que ma grande soeur a fait. Incroyable, mais vrai. Je dis, elle est morte, ressuscitée. Madame, que Dieu vous bénisse. Tu nous as amené ici, tu as sauvé la vie de ma soeur. La révélation divine qu'elle utilisait, les intestins humains, le ventre, tout est parti. Mais avant de rentrer au village, elle est venue voir Papa Florian. Papa Florian dit, faut pas avoir peur. Tiens ça, arrivez là-bas, fais ça. Mais les gens se posent la question, est-ce qu'elle est opérée? Les gens se cachent pour regarder ma soeur. Mais est-ce qu'elle est opérée? Qui l'a opérée? Mais bien avant ça, il y a eu révélation. Mon grand frère avait fait cette révélation. Il y a un monsieur qui a habillé, qui a opéré ta soeur. Pour dire, tu vois ce sachet noir, ce qui est dedans, tu vois comment ça bouge, j'ai libéré ta soeur. Incroyable, mais vrai. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Ma soeur, aujourd'hui, elle a grossi dans le village. On n'a pas de Dieu de Papa Florian. C'est-à-dire dans le village, monsieur, Papa Florian, ton nom est parti. Cherchez à découvrir. Le deuxième cas, c'est le frère Fulgence. Quand il parle, prenons note. Quand Fulgence vient, il parle dans la Bible, prenons note. La semaine passée, quand il est venu, il a dit, comment on reconnaît serviteur de Dieu? Mais souvent, quand on nous parle, on ne prend pas l'autre. Parce qu'on ne comprend pas le langage. Il dit pas celui qui sait prêcher. Pas celui qui a la main et l'esprit est sur lui. Non plus celui-là même que l'esprit est avec lui. Mais c'est celui-là même que l'esprit est en lui. Arrivé à la maison,
Je me suis mis à genoux, dire de Papa Florian, quelle est ma position? Dis-moi quelque chose, parce que je vais à l'église. Mais quelle est ma position? Je suis à la chambre haute. Quelle est ma position exacte? Si moi, mon travail était sacrifié à la vie de ma soeur, au profit de ma soeur, mais tant mieux. Mais la vie continue, parce que Dieu le fera. Alors, on va me révéler. Je suis en toi, mais est-ce que tu peux supporter? Moi, l'esprit, je suis en toi, mais tu peux supporter? J'ai dit, je peux supporter. Le lendemain matin, on m'annonce que mon beau a été opéré de façon consécutive 3 fois. Lui ne connaît pas Papa Florian. Que faut-il faire? Mais si l'esprit est en toi, ça veut dire que tu t'abandonnes toi-même. Tu t'oublies toi-même. C'est ce que Fulgence nous a dit. Toi-même, ta vie ne te dit rien. Tu es préoccupé par la vie des autres. Est-ce qu'on peut assumer ça? Ce n'est pas facile. Il faut aller à ses chevilles. Ah, mais quelqu'un qui a perdu son emploi. J'ai dit, je viens chez Papa Florian pour me faire une ardoise. Mais j'ai fléchi sur mes deux genoux. Si j'arrive là-bas, c'était le dimanche passé, que je trouve solution, c'est-à-dire obtenir les éléments pour lui donner, parce que sa vie m'intéresse. Je suis arrivé, on dit qu'il était en réunion. Mais Dieu va faire miracle. Parmi les soeurs, je ne sais pas laquelle, si elle est là, que Dieu de Papa Florian la bénisse. Elle va me faire cadeau gratuitement, pratiquement tous ces éléments-là. Mais au même moment, elle m'a fait ces éléments gratuitement, elle m'a donné les éléments gratuitement. Il y a une femme qui est venue, je ne la connaissais pas. Si elle est là aussi, qu'elle s'élève, elle est venue, elle a payé le lait. La femme doutait. Elle doutait. Parce qu'elle est passée partout. Elle doutait. Je suis passé par là. Je suis allé voir un pasteur qui m'a escroqué 30 000. Elle doutait. Je suis tombé devant et j'ai commencé à pleurer. Ne doute plus. La récréation est terminée dans la chambre haute. Ce matin, Fulgence vient, il parle de doute. Il dit ne doutez pas. Est-ce que vous voyez? Quand Fulgence est venu ce matin, le message qui passait dit ne doutez plus. Madame, si tu es là, ne doute plus. Si elle est dans la salle, qu'elle s'élève, je ne la connais pas. C'est la première, c'est le dimanche. Ne doute plus. Parce que tu es chez Papa Florian, tu as pu le nez. Viens, guéri. Nous sommes au bon endroit. On n'a pas à s'inquiéter. Dans la douleur, on n'a pas besoin de s'exposer comme si on a des problèmes. Mais gardons notre fierté, notre dignité. Chacun doit porter sa croix et dignité. Sur le Dieu de Papa Florian, tout est possible, j'y crois. Il m'a déjà béni. Tout est déjà accompli. Amen. Somebody from the foot and having 6 years of pregnancy, but totally delivered through the God of Daddy Florian. Jesus Christ is the living God. And he can heal. Amen.